Bonjour et bienvenue sur les tutos de Fredo. Aujourd'hui, 28e épisode sur The Infected. Bon, l'épisode précédent a été un fiasco total, enfin pas total, mais on s'est fait déglinguer là par deux rampants un peu surpris. Enfin, on l'a bien cherché, hein. Voilà. Et là, on a des petites choses à faire parce que c'est l'hiver. Il faut survivre. Se lever. Là, on va essayer de finir le malaxeur là, parce que je pense qu'on va avoir droit à une belle horde, soit ce soir, soit d'après. Réparer toute la base. Ah. On va voir un peu ce qu'on peut faire. En train de voir, ouais, j'ai pas de pantalon là. Ça va, il fait que moins 4. Bon, je dis ça, que moins 4. Ce serait moi IRL, je serais en train de me geler complet. Il est où? Parce qu'il me casse la tête là. D'accord, t'es où? C'est un truc comme ça là qui nous a tué la dernière fois. Et il faut qu'on pense à faire l'extracteur d'huile là. Ce truc là c'est pas trop grave. Pense à faire l'extracteur d'huile là. Le portail qui est là, ça va. Bon, après, faut dire ce qui est, hein. Comparé à 7 Days, c'est pas énorme, énorme. D'ailleurs, je ferai peut-être des vidéos sur 7 Days. Bien aimé, à un moment donné, c'était pas mal. Après c'était parti un peu en cacahuète le jeu là, 7 Days, j'ai beaucoup moins aimé. Sachant que nous on jouait en multi hein, avec potes, on s'était fait une base trop mal, bon, il y a quelques années hein, déjà. Hein. J'avais clairement regretté que... Ah. Marteau en pierre. Ah il a éclaté, ok. Des choses qui arrivent. Sur 7 Days on s'était fait une belle base vraiment sympa. On l'avait saigné le jeu quoi. Alors, on va fermer ça, on va se refaire un marteau. Alors, je me souviens plus ce qu'il faut pour faire le marteau. Corde, un caillou et un bâton. Corde. Je m'étonne que je suis lourd. Encore un bâton, un caillou, ok, c'est bon. Ah, oh, ça sent bizarre ça. Alors, normalement, c'est bon.
Qu'est-ce que je voulais? Oh yo, c'est bien plein ça. On commence à plus avoir de charbon, hein. Je pense. Ça va, il neige seulement. J'ai encore fait des pop le pantalon. Où je l'ai mis? Non, non, je l'ai fait des pop. Encore une fois. Oh, l'idiot. Vais me faire un casier là que pour les. Que pour les pantalons et tout ça, parce que sinon, ça va pas le faire. Mettre ça moi. J'en ai 8. Voilà. Ah, j'ai le pantalon de neige. Voilà. Trop chaud, je le mettrai là-dedans. Et là, avec le pantalon de neige, le deuxième que je fais des papins, c'est pas grand-chose. À l'extracteur d'huile.
qu'il a, le petit bonhomme. Soif. Pose comme question, c'est si je prends un bac là. Ah, et que je le mette ici par exemple. Mettre des graines dedans. Est-ce que je vais avoir pouvoir avoir une plante? Là, tiens. Tester. Ouais, apparemment, ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait que je me construise une serre carrément. Ça sera l'eau, mais... Essayez ça, on va voir. Pas de raison. Y a pas de raison, ça va pousser. Ouais, je peux avoir des petits éclairs de génie comme ça. Après l'hiver. Voilà. Mais vu qu'on a de la lue en rab en plus, on va se faire un... Ouais, ça pousse en plus, hein. Se faire une ou deux canettes, hein. Ça c'est un goût de fer, un goût d'alu. Sur les tables. J'étais peinard en train de faire mon petit truc là. Voilà, j'étais peinard avec mon petit délire sur les bacs à fleurs, t'as tout cassé. Méchant. Casse-pied.
Voilà. Ça marche pas. Non, ici ça marche pas en tout cas. Passerait près du feu à mon avis. À mon humble avis, pas assez près du feu. Non? Ah, voilà. Bien, bon. Ah bah non. Ouais c'est ça, dès que le feu s'éteint, tu... Bon, ça allumé. Décourage pas en tout cas. À transformer ma maison en espèce de serre bizarre. Pomme de terre, c'est peut-être plus résistant. Ça, alors ça. Ah, il y a déjà de l'eau. Parce que comme ça je pense pas que ça comptabilise hein, mais on sait jamais hein. Choisi ici tout simplement parce que c'est je vois le marquage vu que c'est pas blanc. Vérifier. D'accord. C'est chiant ça. Oh, il commence à plus avoir de carburant lui. Je me blinde hein, tout simplement parce que bah à force ça va m'éviter un aller-retour.
kilo, 94 au lieu de 75, ouais. Mal que ça soit un peu lourd. Ça fait un bail que j'ai pas entendu les loups là. C'est à ça du coup. On a notre petite plantation à la maison. Plantation à l'intérieur. Oui, je me doute que j'ai chaud. Talon à neige. Alors, plus qu'un seul truc de fer là, et ça va être bon. On aura le malaxeur. On va enfin voir comment ça marche. Quand même aller faire un tour au cobalt et tout ça. Tôt ou tard, il va falloir que j'y aille de toute manière. Allez, voilà. Comme ça aussi, ça va nous recharger en... On appelle ça en charbon, au passage. Ça marche, ça, le malaxeur, ce qu'il faut mettre. Alors, ajouter 10 de sable, sable, 10 d'argile. Sable et 10 d'argile. Ok. Disponible 95. Donc voilà, 10 de sable, 10 d'argile. Ah. Putain. On donne que 1 de béton, je serai vert. Minutes le prochain lot. Ok, bon, alors on va déposer tout ça et on va y aller. Et en encore. Et où? Moi, je me coince tout seul là. Alors ça, ça va. Tout
ça je vais le mettre là hein, de toute manière. Ça j'aurais pu en avoir besoin. Merde. Non, faut que je fasse l'extracteur de trucs là. Extracteur d'huile. Ah ouais, 100 d'énergie, d'accord. Yo. Ça va, ça prend pas beaucoup de fer en fait. Cobalt, beaucoup de trucs à la con, mais pas de... Ou tiens, je vais le placer là. Voilà. 5 PM, est-ce que j'ai eu le temps d'y aller? Voilà. Ouais, non. Gentil, toi. Mal de chez mal de chez mal. Ah, c'est bon. Je t'ai fait un micmac là. Voilà. Essayez d'aller voir. Non, si je ferme pas la porte. Ah. Ah, super. Que je vais me faire avoir par la nuit, moi. Oh là 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 là. Je sens bien. C'est pas super loin. Moi, je pense à l'aluminium aussi, tout simplement parce que... extracteur d'huile après derrière pour on doit faire des canettes des cannes d'huile. Je sais plus si on doit lui mettre du poisson dedans ou pas. En même temps je crois que j'ai jamais utilisé sur ma partie sur ma première partie. T'as arrêté avant. La ginette parce que voilà. L'autre fois on s'était fait déglinguer par l'ours là là. Est-ce qu'il s'est arrêté depuis le temps? Non. On prend pas la pierre parce qu'on en a trop. Le charbon oui on prend. Tout on prend l'alu. Si on en a plein, au pire on fera plein de canettes. Ah, alors on est comme au niveau poids. Ouais, on n'est pas trop mal. Ok, gelé, ça nous arrange. Si, il va peut-être nous arranger en fait. Oula. Alors le cobalt c'est plus embêtant. Hein, parce que je vous rappelle qu'il fait 2 kg au lieu d'un. Alors je vérifie le poids qu'on a. Thank you.
débarrasser de quelque chose et... Voilà, c'est tout vu. Tant pis. Est-ce que j'ai... Non, j'ai besoin plus d'aluminium que de cobalt. En tout cas pour l'instant. Non, je me pose cette question toute bête, c'est ça, est-ce que je rajoute de l'essence dans l'extracteur cobalt hein, ou extracteur choisis l'alu tout simplement parce que l'alu je sais que ça va partir vite. Du soir, la nuit va tomber, je vais pas être rentré, je vais me faire déglinguer. J'ai vu passer un truc, je pense que c'était un oiseau, si c'était un loup il m'aurait déjà attaqué. Tente du gueuler. Théoriquement le béton est terminé. En théorie. C'est parti pour une tournée d'alu. C'est que ça pousse, hein? C'est le même système que les serres, hein, c'est pareil, hein, mais... dire ce qui est, ça me fait bien marrer. Moi, je suis content que ça m'ait ramené du charbon. Voilà. Alors, je voulais voir sur le... ça. Fabriqué par l'extracteur de machin machin. Ouais, overcooling, je savais que j'allais trop chaud, ok. Donc c'est bien ça, c'est l'extracteur de machin truc là. Il a un go de cobalt, 15 d'aluminium, 6 pièces mécaniques. Ok. Cobalt, ça va aller vite. 1, 2, 3, 1, 1. Ça va pas être la même presque. Ah bah ça va nous avoir vidé nos réserves ce truc là. Ah plus que deux d'alu. Et les pièces mécaniques, ça va être le fer qui va nous poser problème.
mettre le cobalt comme ça. Et alors qu'est-ce qui manque? 6 pièces mécaniques et 2 lingots de fer. Alors c'est où? Ah. Tout de suite. Ici, je crois. Ouais. Un peu de cuivre. Voilà, pierre, comment ça s'accumule là-dedans. Ah, c'est le moment du blizzard, je crois. Sur moi, j'arrive quand même à avoir froid. Choper sa petite tête. Ah. Ah, voilà. Alors encore ma... Ça c'est bon, alors... Ah, ça m'a fait 10 de ciment, d'accord. Il durera un certain temps quand même, hein. Un peu embêtant. Alors, je prenne le marteau d'amélioration, moi, que je vois quelque chose. Quatre. Non, c'est pas ça. C'est pas. Oh, c'est pas le marteau d'amélioration, ça. Je t'y peux perdre. De ciment. D'accord. Ok, ils appellent ça les fondations en béton, mais en fait, c'est avec du ciment. Ok. Non mais attends, un coup j'ai trop froid, un coup j'ai trop chaud, c'est quoi ce bordel là? Voilà, ouais, c'est bon. Là, je suis bien là.
suis bien, je te dis. J'ai trop froid. Hein? Non, je suis bien. Sable. On récupère tout l'argile. Tout le sable qu'on a. C'est bon, le blizzard est terminé. Ok. Apparemment c'est bon. Pardon. Ok, tant que le malaxeur tourne pas, c'est bon. C'est vrai que j'ai demandé de repasser en... cuivre, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là pour l'extracteur d'huile? Et 6 pièces mécaniques, donc en gros non, un lingot de fer, pas 3, ouais, un lingot, donc en fait 7 7 lingots de fer. Peut-être coucher le chip à perles là. Pas tout ce petit beau monde, je pense. Faire ma maison plus grande en fait. Je viens d'y penser.
que je voulais faire moi d'autre? Après, on pourra faire des pièces électriques. Non, mais après. Alors, ça, c'est quoi? C'est du lingot de fer, lingot d'alu. Lève à peine. Ouais, oula, j'ai où moi? Par là. Vas-y, commence à péter la porte. Hein. Hop. Hop, j'ai même pas besoin de sortir. Voilà. Ça c'est fait. Les quatre là. Tout est qu'une question de temps de toute manière. La forge industrielle de Arc me manque. J'ai tout. Et transformer en lingot. Non. Ah bah non. Pas bien ça. J'ai besoin du charbon. Bon, ah bah voilà. Alors, c'est pas trop fort ça. Hier, je vais pousser mes légumes. En plus, ça garde la. Ça c'est balèze.
j'ai carotte le game. Je suis content de moi. Content de moi avec ma connerie là. Essayer le. C'est à l'intérieur, j'ai bien fait. Des patates au four. Hein. Bon, allez, on va arrêter l'épisode là. Merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo, même si bon, on est resté un petit peu à la maison là et tout ça. Et surtout à farmer, préparer le malaxeur, l'extracteur d'huile. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'ai l'impression de voir un truc là-bas, là. C'est pas un vombise. Ils ont... Non, c'est une ombre. Surtout, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Je pense que je l'ai déjà dit, ça, mais c'est pas grave. Plusieurs fois. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.